Yo tout le monde, c'est Drawing World, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à dessiner un lapin, donc un lapin assez réaliste. Alors vous aurez besoin de juste deux choses, plutôt trois, mais bon la troisième n'est pas très importante. Une feuille, je pense que vous avez tous une feuille de lisse de préférence, comme un papier Bristol, ça nous servira à faire nos estompes. Un crayon en papier Bic Evolution, non pas un crayon en papier, un crayon noir Bic Evolution, crayon noir. Donc vous voyez les crayons avec la mine en plastique. Vous allez vous dire peut-être c'est bizarre de dessiner ça, mais regardez, ça rend très bien sur les ombres. Attendez d'ailleurs, allez, par exemple. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. On se retrouve tout de suite sur la feuille blanche. A tout de suite. Bien, voilà. Donc maintenant, nous sommes sur la feuille blanche. Vous aurez besoin aussi d'une règle. Nous allons tracer le pattern de notre lapin. Donc c'est parti, donc vous prenez un crayon papier aussi HB, hein. Sinon c'est un peu nul. Donc attendez, je vais le tailler. Voilà. Bien, maintenant vous prenez votre crayon papier et vous allez tracer. Alors attendez, je vais voir si je peux pas le monter. Intéressant. Voilà, c'est bon. Vous allez tracer un carré. Ni trop haut ni trop bas, donc comme ça, attendez. Je regarde par rapport au dessin que j'ai fait. Pas longtemps. Ok, c'est bon. Donc vous tracez bien droit, regardez, c'est bien droit par rapport à la feuille. Et vous tracez un carré à peu près comme ça. Sachant que mon lapin, le corps de mon lapin fait ça. Ok. Magom. Mince. Vas-y, Magom, elle est là. Voilà. Donc, vous allez construire un carré d'à peu près, je vais dire tout de suite, excusez-moi si ça bouge, 15 cm. 15 cm que vous n'allez pas forcément reporter ici. Que vous allez juste faire un truc assez égal. Du genre. Non, alors on s'est trompé. Vous voyez, là, je me suis trompé. On l'a fait un peu trop haut. Donc, on n'aura pas de place pour les grandes oreilles. Donc, on va le faire pour être sûr à peu près ici. Voilà. Tac. Vous faites au pif, hein, le carré. Vous n'êtes pas obligé de le faire énormément proportionnel. Hein. Voilà. Donc un carré comme ça suffit. Attendez, je vais gommer la ligne en trop. Voilà. Puis vous allez le couper en 4 parts égales. Donc une, tac. Hop, une part. Deux parts. Attendez, qu'est-ce qui est plus égal? Voilà, en 4 parts à peu près égales. Je ne vous demande pas d'être précis, hein. C'est de la géométrie un peu rapide. Donc on va commencer, vous allez placer un point au. Alors, 1, 2, 3, 4. Au 3 quarts du premier carré, ici. Et un second point, un peu plus bas. Attendez, je regarde. Genre là. Donc, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, allez, au 2 quarts du carré, donc ici. Alors, vous allez commencer. On part de là, donc de l'extrémité de. Donc en bas à gauche de notre premier carré, en haut à gauche. Donc vous partez bien droit, parce que si vous partez comme ça, là. Et bah ici, quand vous le reprendrez là, ça fera une sorte de pointe et c'est moche. Donc, oui, regardez, je vous montre. Déjà, là, ça part un peu en pointe. Donc, regardez ce que je vais faire. Voilà, on dirait. Voilà, comme ceci. Donc, on va commencer. Vous allez faire. Donc, si vous voulez pas vous tromper, vous faites comme ça. Voilà, donc là il retombe bien à pic. Donc là vous voyez que je me suis un peu trompée.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le faire partir du point pour le faire remonter ici. Bien. Quand c'est comme ça, vous allez faire la même chose. Oups. Ah non, c'est plus la peine hein, de vous monter. Quand c'est comme ça, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez passer plusieurs fois, hein, ça ne dérange pas. Jusqu'à ce que vous faites un truc bien rond. Oups, c'est un peu mieux si on prend comme ça. Ah oui. Voilà, vous effacez ce que vous avez raté. Hop, hop. Tac. Et maintenant, quand vous avez repris, vous passez comme ceci. Hop. Et ici, vous allez gagner un peu de hauteur. Puis, retomber à pic ici. Donc à l'extrémité du corps de notre lapin. Voilà, donc on a la base. Donc ça ressemble un peu à un citron mal formé. Hein. C'est normal, vous inquiétez pas. Donc maintenant que vous avez fait votre citron mal formé, donc au pire si vous avez du mal, repassez les étapes. Hein. Donc voilà, on a fait déjà notre base du lapin. Maintenant, ça va être un lapin qui va nous regarder. Donc du coup, la tête sera un peu plus penchée. Donc vous allez faire... Donc vous allez tracer un trait ici. Un petit trait, hein, pas un grand. Puis faire comme ceci. Voilà. J'attends, c'est bon, vous l'avez fait. Ok. Puis quand vous avez fait ça, vous allez tracer un gros cercle autour. Alors non, attendez. Je me suis trompée. Tac, on va le faire un peu plus ovale pour que la tête et le temps de bien se fermer. Pourquoi que non, attendez. Voilà, parfait. Vous faites ceci. Voilà, maintenant, vous allez faire un rond. Donc vous allez prendre votre œil. Vous allez faire un rond. C'est pas grave s'il est mal fait. Hein. Regardez, moi, je l'ai totalement raté. C'est juste pour faire les bases. Maintenant, vous allez bien le repasser, donc comme ceci. C'est bon. Vous allez effacer la barre du milieu. Vous allez la recentrer un peu en fonction de votre dessin. Voilà, genre ici. Qu'elle ne s'arrête pas pile poil là. Hein. Non, non. Ici, ce n'est pas le bout du nez. Hein. Maintenant, vous allez gommer ce que vous avez fait en trop autour pour que votre dessin soit fluide. Votre base plutôt, pardon, soit fluide. Hop. Comme ceci. Et repassez dessus. Pouf, vous effacez, plus fluidité. Voilà, on a la tête de notre lapin. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester comme ça. On va l'agrandir et faire les perspectives qui va avec. Maintenant, donc hop, vous repassez un peu ici. Ce que vous allez faire, vous allez passer votre... Tac, tac, pouf. Vous allez passer un trait comme ceci, qui s'arrête à peu près 0,5 cm de la fin du carré. Et à ces 0,5, vous allez faire... non, pas 0,5, 1 cm maintenant. Voilà. Voilà, qui va s'arrêter ici, remonter là, faire une sorte de bosse qui va rester droite. Et ici la cuisse du lapin. Donc ici vous remarquez bien que la patte est un peu trop petite, donc on va l'augmenter, hein, vous inquiétez pas. Tout ça c'est des petites on va l'agrandir, pardon. Tout ça c'est des petites finalisations assez simples à faire. Puis vous faites voilà les griffes du lapin. Voilà ce que ça donne. Dès que vous avez fait ça, vous allez faire une sorte de... Donc ici là, à partir... Vous voyez, à partir du pli de la du ventre du lapin, vous allez faire un trait donc qui part de ce côté, tac, et qui repart, donc tac, 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 tac. Voilà, comme ceci à peu près. Hop.
Ça ressemble un peu à rien ici, c'est normal. Pour pouvoir faire bien la jambe, vous allez bien faire ceci. Tac. Puis. Voilà. Donc là, la pâte est un peu trop grosse, donc on va juste la finir un peu. Tac. Donc. Et voilà, pâte terminée. Maintenant, vous inquiétez pas, là vous dites qu'il y a un grand vide, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vous montre, pouf, ça va être atténué par cette ombre. Donc pour la petite pâte, nous allons partir de 1 centime, de 0, allez, 0,7 cm à partir de la fin de la jambe de la pâte. Puis, c'est comme ça. Donc hop. Vous arrêtez là, et là vous faites. Voilà. Donc là, à première vue, c'est un peu moche, mais vous inquiétez pas, encore une fois, avec les ombres, ça va bien passer. Maintenant, on passe au plan des oreilles. Donc les oreilles, on va passer donc à l'extrémité ici. Vous allez faire ceci. Et à peu près quelques centimètres en haut, vous allez du dos. Voilà. Appuyez pas trop fort parce que si vous appuyez fort, j'ai fait une petite erreur bien sûr ici. Regardez, j'en ajoute un peu de lumière. Ah non, ça se voit pas de là. Bon, enfin bref, si vous appuyez fort au crayon papier, ça va briller comme le graphite est une matière qui brille beaucoup. Ici, voilà. Puis ici, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a le trait, ouf, et à même pas 0,5 cm, vous commencez l'autre oreille. Donc, comme ceci, cette oreille va partir un peu sur le côté et va finir. Alors voilà, là je l'ai mal faite. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde de mal faire les oreilles. C'est une oreille assez droite. Attendez. Bon, je fais une pause de temps que j'y arrive à la faire. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à la faire. Donc voilà, vous passez bien en lobe. Et à la fin, on va atténuer en gommant, bien sûr, en faisant tous ces trucs-là. Donc ici, au lieu de terminer en bombé, vous terminez en pointe sur cette oreille-là. Que sur celle-là. Celle-là terminera bien en perpendiculaire. Voilà. Donc maintenant, on va faire les yeux. Voilà. Donc pour faire les yeux, ce que vous allez faire, vous allez gommer cette partie de la tête. Voilà. Puis faire comme moi. Donc ici... Tac. Et voilà, comme ceci, vous allez faire une petite pointe, une toute petite, qui se terminera. Donc ce trait-là sera plus long là. Pourquoi on fait ça? Pour simplement faire l'œil. Donc l'œil, vous faites un ovale. Après, vous allez prendre votre crayon noir. Pouf, puis déjà le foncer par rapport. Hop, on affine un peu les traits. On comme un peu le crayon noir. Puis on fait notre œil. C'est un peu raté, attendez. Bon, cet œil, on le fera un peu plus tard. Ouais, déjà, si je le fais mieux, c'est mieux. Donc, pour l'œil, vous allez donc ici, un peu plus haut, là, voilà, ici, faire un ovale, comme ceci.
Voilà, plus gros. Un ovale comme ceci. Que vous allez contourner par. Où est-il ? Un stylo bic noir. Donc vous le contournez avec ce stylo bic noir. Ou un micropigment. Un crayon micropigment de la marque Pigmamicron de préférence. Et c'est du bleu, ce n'est pas du noir. Voilà, et dès que vous avez fait ça, vous prenez votre crayon noir et vous faites... Alors non, ce que vous allez faire, vous allez prendre un peu de... Bah, voilà quoi, ça, votre feuille, vous prenez votre feuille, vous appuyez très fort dessus, avec votre crayon noir, ou non, votre crayon papier, vous passez votre doigt, attendez, je vais le faire mieux. Hop. Prenez votre doigt, plein de crayons, et vous le passez dans le cercle. Puis vous gommez autour, tac, et vous passez votre crayon noir en faisant, je vais faire un petit zoom, hop, passez votre crayon noir en faisant comme ceci, et en laissant au milieu une petite, un petit point de blanc, hop, et avec le stylo noir, vous passez pour faire un petit dégradé. Pour que ça se fonde bien dans la matière. Bien. Maintenant, ce que vous allez faire, maintenant qu'on a tout... Ah non, j'ai oublié un truc. Je suis désolée. La queue, plus important. Donc voilà, la queue sera à peu près... Non, plus grosse. Et un peu moins comme ça. Voilà, que sera comme ça. Bien, maintenant vous allez gommer les tracés inutiles. Donc, vous allez gommer le tracé du milieu. Donc, les traits qu'on a ici. Bon, alors je vais couper la vidéo le temps que je le fasse, ça sert à rien que je vous montre comment faire ça. Attendez, je réajuste un peu la lumière. A tout de suite. Voilà, nous avons effacé la majeure partie de nos traits. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons reformer un peu notre tête qui n'est pas assez grasse pour un lapin par rapport à son corps. Donc vous inquiétez pas, hein. C'est vrai qu'à première vue comme ça, la tête ici est un peu moche. Donc ce que nous allons faire avec notre citron, c'est que nous allons faire en sorte que la tête soit plus grosse pour faire comme si le citron était un peu grassouillé, le lapin soit un peu grassouillé. Donc ce que vous allez faire, vous allez gommer un peu autour de la tête et vous allez gommer cette partie-là de la tête, voilà, plus ouais, cette partie-là. Voilà, ici. Et vous allez prendre votre crayon. Tac. Et là, par exemple, faire un visage un peu plus affiné et grassouillé. Alors, je tiens à préciser, les traits qui ne servent à rien, c'était les traits qu'il y avait ici aussi. Donc, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, faites-le. Pour l'instant, hop. Donc, quand ceci est fait, vous allez... Hop. Comme ça. Et voilà, on rend la tête un peu plus grasse pour que notre lapin soit assez mignon quand même, parce que s'il ressemble à une chose qu'on ne peut pas définir parce que c'est moche, ça ne sert à rien d'en faire un lapin. Je me demande même si j'ai pas mis ma tête un peu trop grosse, non ça va. Avec les ombres ça devrait bien passer. Voilà, donc maintenant... Alors vous inquiétez pas, il est pas comme ça, hein. il est comme ça, c'est juste que comme c'est de la perspective, il est un peu, regardez, un peu penché ici. Voilà. Donc il y a un truc que j'ai pas fait, c'est sur la patte, regardez bien. J'ai pensé, vous allez faire une sorte de lobe, une mini lobe, hein, pas une grande lobe. Ici, tac, et là vous partez
déjà de même pour faire la pâte aussi un peu plus grassouillée. Ici, comme ceci. Donc là, vous voyez bien, il nous reste un peu des traits de construction que on va effacer. Et avec le crayon, n'hésitez pas, crayon noir cette fois, parce que sinon ça va briller. C'est très moche quand ça brille. Crayon noir. Voilà, vous allez repasser ici pour bien repasser, pour bien marquer les pattes. Bien. Maintenant, ce que vous allez faire l'œil. Donc l'œil, il est très petit et très simple. Voilà, c'est ça. L'œil ici, c'est ça. Donc vous faites comme l'autre, vous passez un coup de stylo noir, puis vous allez passer, et lui pas besoin de mettre de crayon noir, puisque vous allez le colorier uniquement en noir, il sera tout noir celui-là. Et vous passez un coup de crayon pour un peu, voilà. Maintenant que tout ça est fait, nous allons faire la bouche. Donc la bouche, ce sera un triangle comme ceci, un triangle comme cela. Alors je vais faire un crayon papier si jamais je me rase, puis tout en bas, hop, une sorte de mini triangle comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez prendre toujours votre stylo. Donc le stylo remplace le micro pigment que je n'ai pas. Je tiens aussi à vous préciser que pour une meilleure expérience, j'aurai un nouveau matos. Oula, attendez. Oh non, j'ai fait le fail de ma vie. Vous voyez la différence? Ouais, on a fait un gros fail là. Alors attendez, je vais voir si on peut pas le rattraper. Non, c'est irrattrapable, à part d'effacer toute la tête. Ouais, on va faire ça, on va effacer toute la tête. Par contre, comment je vais faire pour effacer le bic? On va mettre du blanco, ce sera un travail un peu gâché. Bon, je sais ce que je vais faire, à tout de suite. Re les amis. Oui, donc j'ai eu une petite peur. En fait, j'ai cru que c'était trop petit, mais en fait, c'est juste le... Alors, regardez, par exemple, je vais proportionner ça. Ah, ça, c'est la même longueur. C'est juste que c'est pas assez arrondi ici, donc ce qui me fait croire que c'est du coup trop long. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, donc je vais commencer un peu, c'est qu'on va descendre comme ça. Voilà, hop, du coup on peut grossir le pied, tac, 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 et cette zone. Voilà, du coup notre lapin est un peu mieux. Donc, c'est assez moche, je vous accorde, mais attendez la perspective. Donc la perspective, justement, donc on était là, donc voilà, vous finissez ce petit triangle. Maintenant, on fait un peu juste la perspective ici pour préparer le terrain. Oh putain. Mais attendez. Mais non, mais là. Les amis, je suis désolée, il y a eu un petit bug avec le montage de la vidéo. Alors j'ai décidé de faire une tête assez rapide pour vous montrer comment faire les oreilles et la perspective juste de la tête. Donc pas besoin de faire une tête immense. J'ai juste rajouté ça qu'il faudra juste affiner, voilà, comme ceci. Hop. Alors attendez, je vais vérifier un truc. À tout de suite. Je t'ai vérifié si on en était déjà là. Oui, on l'avait déjà fait. Bon, je l'ai fait à l'arrache, donc vous occupez pas du reste. Hein. Vous gardez la tête que vous avez commencé à faire. Vous voyez, les oreilles sont un peu mal faites. Gardez la mini bouche que je vous avais demandé de faire. Pouf. Tac, voilà. Donc maintenant, on va passer juste à faire rapidement
le dégradé. Donc pour le dégradé, donc moi je dessine mon dégradé comme je dessine mon dégradé. Donc je cherche mon crayon noir. Donc le dégradé va faire comme ceci. Regardez bien. J'espère que cette vidéo ne va pas bugger non plus. Donc là, on a fini le lapin. Là, alors je vous parle, le tuto était déjà fini. Je viens juste de me rendre compte que le montage avait bugué. Donc maintenant, vous prenez. Non, c'est pas ce crayon-là. Crayon à papier. Et vous étalez. Tac. Prenez avec votre doigt. Tac. Et vous faites votre perspective en dégradé. C'est estompé en quelque sorte. Là, je l'efface. On va le faire avec ça. Attendez. Ah, je n'y arrive pas. J'ai plus mine sur mon crayon, donc du coup, j'utilise celle-là. Ah, voilà. Donc, vous passez bien votre doigt. Hop. N'hésitez pas à appuyer hein, pour faire disparaître les traits. C'est un peu moche sur cette feuille, ne vous inquiétez pas, mais sur votre feuille en canson, bien sûr, et bah, ce sera très bien. Le dégradé au-dessus du nez, suivi de son affinement. Hop. Puis, son dégradé pour finir en estompage. Voilà. Hop, puis sa couleur un peu grisée. Hop, et on efface un peu sur le côté. On va bien en affiner. Et on fait. Voilà. Maintenant que ceci est fait, donc sur le canson, ça va rendre très bien, ne vous inquiétez pas. On va faire l'oreille. Donc pour la forme de l'oreille, vous allez effacer le pattern et vous allez faire comme moi. Attendez, on va l'allonger un peu. N'hésitez pas à l'allonger. Attendez, là je vais faire une erreur si je continue. Voilà. Bien, et celui-là, bah, vous laissez comme ça. Mis à part de le rendre un peu plus pointu au bout. Ouais, hop. Voilà, terminé pareil. Ici, il va y avoir un estompage. Puis là, vous allez faire la crevasse de son oreille. Hop. Puis faire comme ceci pour pouvoir estomper après. Tac, tac. L'estomper, puis avec le crayon noir, vous faites un dégradé d'estompe pour que ça devienne une sorte de perspective. Hop, et vous estompez. Ne vous inquiétez pas, je le fais pas vite. Hein. Dans l'autre vidéo, j'ai fait pareil, ne vous inquiétez pas. Tac, on estompe ici. Et ici, voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez votre gomme et vous gommez-le sur plus. Voilà, maintenant on va faire la crevasse d'ici. Donc la crevasse d'ici, ça va être ça. Plus ça. Mince, hop, et là vous coupez ici. Il n'y a pas de trait comme dans l'autre. Et vous allez faire pareil que dans l'autre, par contre, là, voilà. Sauf que vous montez un peu plus haut. En estompant. Donc oui, moi j'en ai beaucoup parce que je, voilà, j'ai mon doigt presque noir. Tac. Et vous faites le dégradé. Je vous montre un peu le résultat que ça fait normalement. Si vous le faites bien, vous le perfectionnez à votre façon. Hop, donc, tac, tac, voilà. Là, vous faites un estompage, ici.
passez-vous, pareil, vous passez votre doigt et vous faites en sorte que ça devienne un peu plus foncé, comme ceci. Hop, puis avec sur le côté avec votre crayon que vous avez lâchement écrasé pour pouvoir mettre sur votre doigt, faites comme ceci, puis vous assombrez encore un peu plus. Et après, bah, vous perfectionnez à votre manière hein, la tête. Hein. Par exemple, rajouter des ombres, un peu de poils. Enfin voilà quoi. Vous effacez bien sûr les traits de construction. Je pense que je vous l'avais déjà demandé avant. Et voilà, vous avez votre tête de lapin à peu près finie. Donc je vous montre ce que ça donne. Je vais essayer de vous cacher le corps pour pas tout vous gâcher après. Voilà ce que ça doit donner à la fin. C'est quand c'est bien fait sur le canson. Donc je suis encore désolé de cette petite coupure et à tout de suite pour la deuxième partie de notre vidéo. Peace. Excusez-moi de vous déranger, mon PC et mon téléphone sont allés contre moi. Ici, comme vous avez vu, j'étais sur le problème. Là il y a encore les traces. J'étais comme ceci. Et j'ai raccourci, aplati un peu plus, voilà, pour pouvoir terminer à peu près l'ombre de, à peu près, allez, 2 cm. Bon, là, vraiment, pisse.